Merci d'être avec nous les chéris. Hier, vous étiez encore très nombreux à nous regarder TPMP et PAF avec Babaï, donc qui étaient les premiers talks de France voilà, sur la tranche. Merci à vous. Et vous le savez, hein, aujourd'hui, c'est un événement puisque je passais devant la commission. J'étais donc auditionné, les chéris, à la commission. J'en sors, hein, j'étais encore il y a quelques minutes là. Et c'est vrai que... Il y a une phrase qui est ressortie de cette commission, de cette audition. Et je voudrais dire, j'ai beaucoup parlé des équipes pendant cette audition. On y reviendra bien entendu dans un instant. Et on va vous faire tout le débrief. Hein. Mais il y a 16h30, j'ai dit que c'était l'heure du goûter. Et c'est vrai que les équipes sont tellement réactives, parce que j'ai beaucoup parlé d'eux. Elles ont déjà fait des t-shirts. C'est l'heure du goûter, regardez. Bravo. Bravo à vous. Et les chéris. Sachez que tout de suite, j'en fais gagner sur les réseaux, hein, sur X, voilà. On va faire gagner des t-shirts, c'est l'heure du goûter. Voilà, les 10 t-shirts, d'accord, 10 t-shirts, c'est l'heure du goûter. On va les signer, bien sûr. Même Daniel hein, va le signer. Voilà, vous inquiétez pas. Voilà, ça pour... franchement, ils sont très forts. Les équipes sont très, très fortes. Très fortes. Comment ça va, les chéris, dans un instant? Il y a Ségolène Royal et aujourd'hui, pour une fois... Ségolène, en fait, elle va nous parler de la commission. Et elle va donner, elle a fait tout un truc, elle a tout regardé. Et elle va vous faire le débrief de Ségo. J'attends de le voir. Voilà, c'est un amour. Franchement, je vous le dis, je suis fou de Ségolène. Comment ça va, vous? Sinon, ça a été, vous avez tout. Très bien. Alors, juste avant, on fera le débrief tout à l'heure, mais vous avez regardé tous l'audition. Alors, vous savez, j'aimerais que vous prépariez en capture d'écran les chiffres qu'on a, puisqu'on n'a pas les chiffres d'audience, bien entendu, sur LCP. Mais on a des chiffres en direct, par exemple, des box SFR. Ah oui, okay. Et vous allez voir, j'aimerais qu'on prépare la courbe lors de l'audition. Vous allez voir, c'est Indarka. Je pense qu'LCP a dû faire un record d'audience. On va vous la mettre dans un instant. Vous avez regardé où ça? Chez moi, tranquille. Chez vous, tout nu? Ah oui. Non, pas tout nu. J'ai envoyé un SMS juste avant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. La France entière vous regarde, etc. Ah, mais je regarde. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'était sympa, hein. Oui, c'était sympa. Ça tournait un peu en rond. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Valérie Benaïm. Bien sûr que j'ai regardé. Alors, vous avez même envoyé pendant. Ah oui, c'est vrai. Et vous ne pouvez pas avoir, mais je me suis dit comme ça, quand il sort, il aura. Fort. Vous avez regardé aussi? Oui, moi j'ai regardé avec ma femme qui revenait de vol et qui m'a dit de te dire qu'elle t'a trouvé très bon. Non, c'est vrai, merci. Alors j'adore. Je dis, dis-lui absolument que. Alors regardez la courbe, c'est la courbe, regardez. C'est la température. Donc voilà, c'est un truc de fou. Hein. Non, mais franchement, c'est pas incroyable? Incroyable. Franchement, c'est incroyable. On a vu ça tout à l'heure. Voilà, et en bas, c'est les autres jeudis de la chaîne. Ouais, c'est ça, exactement. C'est les autres jeudis de la chaîne. Non, mais c'est vrai. C'est incroyable, c'est ouf, c'est record d'audience. Et encore, il y a plein de gens qui regardaient sur YouTube, sur Internet. Quand j'ai vu cette courbe, c'est Jean-Marc dans Longue qui travaille avec moi, un des conseillers qui m'a envoyé ça. Je me suis dit, c'est incroyable. Donc, vous embrassez votre femme. Non, franchement, et puis vous embrassez votre femme. On a regardé du début à la fin. C'était long, c'était long. Vous n'avez pas regardé? Si. Non. En fait, j'étais chez le dentiste. Et du coup. Mais quand il a regardé comme ça? Non. Dans la salle d'attente, je regardais un peu et j'étais comme ça, j'étais en mode regardez, c'est mon patron et tout. Non, c'est vrai. Sympa. Vous êtes de ma gueule combien de temps encore? Pour savoir jusqu'à quelle heure vous allez vous foutre de ma gueule. Vous n'avez rien vu du tout? Si. Jurez quoi? Je vous jure sur la tête de mes réseaux sociaux. J'ai vu au moins 15 minutes. Vous avez retenu quoi? Meilleur extrait, c'est quoi? Voilà. Vous avez retenu quoi des 15 minutes? C'était quel moment? J'ai retenu que vous aviez une très belle éloquence. Ouais, pas bien. Elle va se foutre de ma gueule. Ouais. C'est la fin de l'émission. Il est habillé comment? En noir. Ouais. Non. Pas mal. Ouais, mais bon. Alors? Pas mal. Un mot. Très classe, très en noir, très beau. Non, rien. Il a retenu votre beauté. Quand tu parles de ça, tu l'as vu. C'était culte. Ça y est, quand elle sort, c'est insupportable. Qu'est-ce que t'as fait toi? Ah, regardez. C'est l'heure du f'tour. C'est vrai. Parce que c'est la fin du ramadan. T'as mangé? Dans 2 minutes. Bah écoute, prépare-toi. En tout cas, je te sens bien prêt pour manger. Merci. Gilles Verdez, t'as regardé où? Avec qui? Avec les équipes, ici. Non, c'est vrai, ici? Ouais. Vous étiez avec qui? Au troisième, avec Alex et Sophie. Ah ouais, cool. Alors, ils sont sympas, Alex et Sophie. Je les adore. J'adore. Alex, c'est celui qui s'est mis à la muscu il y a deux jours. Et Sophie, c'est ma chérie. C'est elle qui s'occupe de moi. C'est ma nounou. Absolument. Hein, exactement. Ouais. Et donc, ça va, ça a été? Oui, j'ai trouvé ça passionnant. Non, mais enfin, on va en parler. J'ai parlé de toi.
Ah oui, j'ai vu. Ouais, ouais, j'ai vu toutes tes idoles. J'ai vu tout le monde. Je me suis dit, mais lui, il aurait été là, c'est Disneyland, mon frère. Il arrive, c'est la parade Disney. Et toi, sans rigoler. Tu sais quoi, j'ai failli demander... un petit truc, une petite photo dédicacée Aurélien Saint-Toul pour toi. Je me suis dit non, ça se fait pas, tu vois. Un fond deck. Ouais. Et toi, ma chérie, moi, je l'ai regardé dans un endroit très chic, parce qu'il me fallait du calme. J'étais dehors depuis le matin. Non, le bar d'un hôtel très chic. Et j'avais à quelques mètres de moi un acteur que je kiffe particulièrement. Donc je regardais un petit peu vous, un petit peu l'acteur. Qui Gérard Ditty. Non, c'est pas vrai. Ouais, donc, t'as reconnu? Bah, bien sûr, je vous connais depuis. Non. Il est très bien, il est super. Tu l'as regardé avec toi, du coup? Non, quand même pas. Il était en rendez-vous. Non, il était avec un monsieur. Il préférait rester toute seule comme l'autre. J'ai quand même plus regardé vous que lui. Qu'est-ce que tu fichais au bar d'un hôtel? Qu'est-ce que tu foutais au bar d'un hôtel? Parce que j'avais un rendez-vous médical ce matin, donc j'étais dehors. Qu'est-ce que tu fous dans les bars des hôtels parisiens? On dit les frères. Ça n'a pas l'air très clair, ça, là. Tu vas voir, dans deux mois, elle va être à Dubaï. Je te le dis, ça m'a pas l'air clair, toute cette histoire-là. Je commence à m'inquiéter. Non, mais qu'est-ce que tu foutais dans le bar? C'est la vraie question, en fait. Hein. Moi, j'ai une passion pour les palaces. Donc, non, moi aussi. Je ne peux pas me les payer. Je vais de temps en temps. Tu peux nous dire quel palace c'était? Oui, je peux. Attends, dis-nous quel quartier, je vais essayer de le trouver. C'est le 6e ou le 7e, je ne sais plus. Vers le bon marché, quoi. Ah, le Lutetia. Ah oui, il est super bien. Merci, les gars. Spécialiste. TripAdvisor. Honnêtement, c'est quoi? Le thé, il est à quoi? 5-6 euros de plus, mais franchement, vous êtes. Et il me fallait du calme. Excuse-moi, tu crois vraiment qu'on est venu pour parler thé ce soir? Tu crois vraiment que les téléspectateurs se disent on va regarder à nous-mêmes, il va nous parler thé? Non, mais sans déconner. Dans un instant, on reste avec nous. Hein, à 19h15, on recevra deux infusions. Merci. Et bien sûr, à 19h45, Pierre Barthès de Lipton. Bien sûr, on y retourne. Merci. Non, mais sinon, vous étiez très bien. Non, mais attends, on n'est pas là pour ça. On va en parler tout à l'heure. Vous avez regardé. Alors, c'est lui qui m'a amené en camion. Dans le camion. Génial l'image. Je vais vous raconter tout à l'heure, mais dans le camion, les fous rires qu'on a fait. Et dans le camion, je vous jure que c'est vrai. La photo est folle. C'est ton vrai camion? J'étais dans le camion avec lui. C'était un truc de fou. J'étais à la fenêtre et il y a eu des scènes incroyables parce que les gens n'arrivent pas à croire que j'étais dans un camion. Il y a un mec à un moment, il a bloqué, c'est-à-dire qu'il était en train de décharger. Il s'est arrêté au milieu de la route. Des planches, dans les bras, il avait 40 kilos dans les bras. Il me voit moi, je laisse passer pour traverser. Il me regarde, il fait oh. Et il voit Hanouna à côté, il fait oh. Deux, il voulait plus traverser. C'est trop marrant. Géraldine, toi, tu l'as regardé où, ma chérie? La maison. Voilà, c'était popcorn, vraiment, c'est Netflix pour moi. Toute seule, et Daniel est arrivé sur la... J'adore, c'est bien voir la vie de Daniel aussi. Ouais, et ben écoutez, il vous le donnera avec plaisir. Avec plaisir, vraiment, voilà. J'adore. Et voilà, et après, on en parlera plus tard. J'ai trouvé que c'était un très beau moment. Il y avait de la pub sur YouTube. Beaucoup de pub, ouais. Non, pour le fromage. Ils sont gavés. Saint-Mauré. Le premier plaisir du jour, c'est le Saint-Mauré. Un goût de fromage primeur frais au palais. Comme la première fournée de la journée. Fermé fondant comme un fruit frais. Le Saint-Mauré, le primeur du fromage. C'est une maladie. Quand je vous dis que c'est une maladie, les clips, les chansons, les pubs, quand je vous dis que c'est une maladie, je suis obligé d'en faire d'autres. Vous changez d'eux. Moi, je connais un fromage savoureux, c'est le chaussé au moine. Amen. Chaussé au moine. Merci. Babybel. Babybel, on l'a assez. Ça existe encore, ça? Oh, donne-nous un peu de ton fromage. Oui, donne-nous-en un peu. Belle des champs. C'est bon, on a fait trop mal. On va pas arrêter toute l'émission à chanter des fromages et à parler thé quand même. Non, mais sans déconner. On n'est pas une épicerie, on est une émission de télé, bordel. Non, mais c'est incroyable. Oui, alors oui, vous. Moi, j'ai regardé dans le métro sur YouTube. Non. J'ai regardé 1h30 et après, comme vous l'avez dit, les équipes sont très réactives. Elles ont mis sur TikTok en live le truc. Donc, j'ai regardé sur TikTok. C'est fort. Et il y a un TikTok de vous qui tourne, donc c'est pas sur le compte de TPMP. C'est un paparazzi de star qui s'appelle Amar qui a filmé votre sortie du Sénat. Je sais pas pourquoi vous avez marché pendant 45 minutes. Ouais. Et vous êtes en resta américaine. C'est-à-dire qu'il y a 50 personnes autour de vous. Vous pouvez avoir ça, s'il vous plaît. Il s'appelle Amar Tawani, je crois. Et en fait, c'est un mec qui filme que des mecs à la Fashion Week, donc tu scrolles sur son site. Je l'adore. T'as Kylie Jenner. Je l'ai vu. T'as Kanye West, après t'as Cyril Hanouna. C'est magnifique. Vous étiez en rockstar. Tu peux le donner aux équipes. Ça, c'est mythique parce que je l'ai vu me suivre. J'étais fier, en fait. Pourquoi votre marche, elle a duré 50 minutes? Vous avez marché. Non, mais je vais vous le faire avec Macron. Ah, c'est ça.
vous serrez la main de tout le monde et tout là. C'est magnifique. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est mythique. C'est magnifique. Genre, ouais, genre. Je vais vous dire, j'étais tellement heureux parce que là-bas, je vous jure que c'est vrai, il y a plein de gens, du personnel, etc., qui sont venus me voir, qui ont été incroyables. Sachez-le, les gens de la sécurité, les policiers également devant, qui étaient très contents de me voir. Et il y a même une dame qui est arrivée et qui a été incroyable et qui m'a dit. Cyril, j'ai demandé à changer de bâtiment pour te voir aujourd'hui. Non, ça, elle travaillait là-bas, franchement, des amours. Et c'était tous des amours, je le dis, franchement, des amours là-bas. Hein. Vraiment, j'étais, je suis à deux doigts de prendre un petit F2 là-bas. Hein. Ah non, mais je vous le dis, d'ailleurs, j'ai demandé s'il louait la salle pour l'appart de mon fils. On est en train de voir. On négocie. Je leur ai dit, je peux peut-être avoir François Feldman. Non, non, sans déconner, on est comme des fous.